Et yo tout le monde, c'est Eridil, on se retrouve pour une nouvelle vidéo trick et on va faire un petit speedrun sur Halo 4. On va faire la mission l'arrêt en moins de 8 minutes. Alors pour ce faire, en fait, on va surtout réaliser un trick en début de mission qui vous permet d'aller directement à la dernière tour et ensuite c'est un speedrun assez classique. Donc pour ce faire, il faut commencer dès le début de la mission. On peut le faire dans toutes les difficultés, mais bien évidemment l'intérêt c'est de le faire en légendaire. On peut le faire de 1 à 4 joueurs, donc il est très facile à réaliser, et le trick en lui-même dure 2 minutes, et ensuite c'est le speedrun. Alors on se retrouve dès le début de la mission, on va rusher directement le pélican, on peut pas monter devant avant 20 secondes très exactement, donc en attendant on va s'armer. Moi je vous conseille de prendre le railgun et le DMR, en sachant qu'on va garder le railgun pour fumer les chassous, qui sont assez pénibles, vous allez voir. Donc on va monter dans le pélican. Et on va attendre de partir pour se diriger à l'endroit de la réalisation du trick. Propulseurs principaux, ok. Booster auxiliaire, ok. Activation de la propulsion. On n'aura pas de sitôt l'occasion de rentrer sur Terre. Vous en êtes conscient? Tout ira bien. Donc, dès que vous partez, vous n'allez pas vous diriger vers les objectifs, vous allez vous diriger là où je vais. Donc, c'est un petit peu à droite, en bas du cryptum du didacte. Et puis voilà, donc ça prend environ une minute à atteindre. Alors, petit repère visuel, on voit qu'il y a un trou rouge dans la tour. C'est là qu'il faut viser, c'est là qu'on va passer en fait. Donc une fois que vous y arrivez, on va s'engouffrer dans la tour, on va descendre pour se poser sur la petite plateforme. À ce moment-là, on va descendre du pélican et on va faire un saut en activant le jetpack pour passer dans le petit trou que je vise. Alors ça peut être un petit peu pénible, c'est un peu bête de perdre des secondes ici, mais ça peut arriver, voilà. Donc voilà, le trick est réalisé, donc à partir de là, vous êtes directement dans la dernière tour et tout est normal et vous pouvez terminer la mission normalement, c'est la magie d'Halo 4. Donc vous allez voir, j'ai réalisé le speedrun en un petit peu moins de 8 minutes en prenant mon temps. J'ai été relativement safe, j'ai clean beaucoup d'ennemis, mais on peut le faire encore plus rapidement. Je pense qu'on peut faire la mission en 5 minutes si vraiment on speed à mort. Et ça, si vous voulez faire la campagne d'Halo 4 en moins de 3 heures, ça fait partie des obligatoires à connaître, à réaliser. Voilà, donc moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais vous laisser en compagnie du speedrun. Et donc, portez-vous bien. Et bien entendu, vive Halo!
Major, allez vers l'un de ces emplacements. Le seul moyen d'arriver au Didac est de faire sauter ces tours. C'est bon. Les emprisonnés. Qu'est-ce qu'il y a? Les emprisonnés. Comme il a emprisonné ses Prométhéens. Comment elle s'est emprisonnée? Major. Son vaisseau est pareil. Major. Je parte. Je suis désolée. Je ne sais pas. Suivez Selitch. Nous pouvons passer dessus pour arriver au Didact. Pardon? Passer dessus? Oui. Il y a plusieurs Lich en formation se dirigeant sur le vaisseau du Didact. On n'aura pas le droit à une deuxième chance.